Bienvenue, bienvenue pour ce stream sur Zelda Tears of the Kingdom. J'espère qu'on m'entend bien. Hop. Est-ce qu'on entend le son du jeu? J'ai ma régie à côté de moi. Oh là. C'est un peu faible. Le son du jeu? Ouais. Non, j'entends pas le son du jeu, mais je... Mon micro? Ouais. T'as mis le son à fond? Ouais. Donc mon... Est-ce que c'est mieux si... Attends, j'essaie... On est en train de tester le stream. Là, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux si je parle comme ça? C'est un peu mieux, mais... Attends, et si j'augmente le gain comme ça? Par contre, il n'y a pas le son du... Capture audio. Et là, il y a le son du jeu. Attends, il y a un petit délai. Et par rapport à ma voix, c'est beaucoup trop fort, pas assez fort. Est-ce qu'il faut que j'augmente le son de ma voix? Est-ce que tout est bon? Tout est bon partout? 1, 2, 3, est-ce qu'on m'entend? Lequel? Le son de ma voix. Est-ce que là, on m'entend mieux? Est-ce que là, c'est un peu mieux par rapport au son de ma voix? Non, toujours pas? Bon. Je vais voir. Bah, dès que tu me dis que c'est bon, je lancerai le stream sur TikTok en même temps. Donc. Est-ce qu'il faut croire que j'augmente ma voix? Ou je baisse le son du jeu? Encore? Et comme cela, est-ce qu'on m'entend beaucoup mieux? Je peux encore augmenter. Hein. Non, c'est bon. Là, c'est pas mal? Non, c'est bon. C'est pas trop? Non, c'est bon. Ok, super. Bon, bah, on va continuer alors. Donc, je vais lancer aussi le stream sur TikTok. Tu peux me confirmer aussi sur TikTok que ça sera bien? Par contre, ça, ça sur ton téléphone. Prendre ça, je lance juste le live sur TikTok. Copier. Hop. C'est parti sur TikTok, let's go! À cette heure-ci, et oui, j'essaye de nouvelles horaires, je me dis qu'il faut que je stream plus. Alors, c'est parti, le stream sur TikTok, mais je n'ai pas le chat. Si, il est là sur le chat. Et je vais sortir le chat, là. Voilà, normalement c'est parti sur TikTok. Hop, c'est parti. Bon, c'est parti, on continue, j'arrête pas de dire des c'est parti. Pour reprendre là où on en était... Alors, où on en était? Ah oui, il faut qu'on essaye de remonter en haut. Alors, essayons de remonter en haut. Donc, il faut que je me trouve, déjà. Un wagonnet. Faut que je me refasse aux touches. Travers le mur. Comme ça, tu pourras m'aider si jamais je suis bloquée dans le temple du feu. Ma régie sera là pour m'aider. Ça marche sur TikTok. Hein? Ça marche sur TikTok. Et je veux dire, la balance son jeu. Oh
Bon, bah, ça commence très bien ce stream. Ah, je t'ai vu sur TikTok, ouais. Que t'es arrivé. Bon, moi, je peux remonter dedans. Hop, là, c'est parti. Bon, où j'en étais en haut? J'en étais par ici. Alors attends, il faut que je prenne celui-là. Que je le mette ici. Bon, sur les rails, ça serait un peu mieux. Voilà, et là, c'est activé les rails, ouais. Si, il faut que j'aille là. Je sais plus ce que ça active, ça. Ah bah... Non! Reviens! J'ai pas eu encore perdre mon wagonnet. Là 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 là. Alors, est-ce que je peux viser là-bas avec une flèche? Ah non, c'est dans l'autre sens. Je crois que je me suis fait avoir la semaine dernière. Là, ici, il n'y avait qu'un coffre. Voilà. Lui, gardons des wagonnets sous la main. Par contre, comment je change? Je suis là-bas maintenant. Ça va être compliqué là. Ah non! Hey, du premier coup. Je suis maître archère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y avait un coffre que j'ai déjà eu. Ah, j'ai réussi à aller au troisième étage. On a réussi à aller au troisième. Première chose. Comment je peux reprendre de la vie? Ça redonne de la vie, ça? Fait, j'ai zéro truc qui me donne de la vie. Ah oui, je me bats avec ça aussi. Voilà! C'est qui le patron? Faire du décœur pour rien. En plus, j'ai zéro bouffe. Y a jamais d'aliments dans les donjons. Encore des vaches en bois. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Bah, apparemment, faut aller par là, hein. Il y a un truc en face là-bas là. Oh. Non! C'est parti avec mon Flario, il est parti avec le goron et le monstre. Ça l'a tué au moins. Ah, c'était pas mal celle-là.
Oh, j'ai failli tomber. Comment on va ici? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un pont pour rien. Ou oh, encore failli tomber. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment je vais là, moi? Faire quoi ici? À quoi ça sert de me faire venir ici? Je suis un peu perplexe là. Je suis un peu perplexe. Je me dis à travers le mur, est-ce que ça fonctionnerait, mais bon. Il est juste là en fait le gong là. Non? Ah, ça a l'air d'être passé par en dessous. Pourquoi ils nous font venir ici alors? Surtout que j'ai plus de chariot maintenant. À quoi ça sert de venir ici? Pourquoi je crame? J'ai que deux cœurs alors. Non! Non! Mais je crois que les chariots, ils ont un truc contre moi dans ce jeu. Ils ont un truc contre moi dans ce jeu. Les chariots, ils m'aiment pas. Ah. Non! Reviens! Je fais vraiment le truc en boucle, quoi. Par contre, par où je dois aller? J'ai pas compris. Pourquoi il nous fait monter ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends rien. Pourquoi nous faire monter ici? Je suis perplexe, je ne comprends pas. Il y a un truc, hein? Faut que je remonte? Hein? J'ai le troisième. Il y a la map, je prends le troisième. Je prends le troisième?
Lui? Celui qui clignote en haut là. Celui qui clignote là à côté de la bouffe, tu vas là-bas? Et comment j'y vais? Ah, il y a un chemin caché derrière là. J'aime pas les énigmes. J'aime pas les constructions, les énigmes. Ce Zelda n'est pas fait pour moi. Là, j'ai vu que derrière, il y avait un chemin alors. Ici. Il y a de la lave et tout, comment j'y vais? Ben non, j'y suis déjà. Faut que j'aille là, là? Ah oui, là, là. C'est quoi le gong là-bas? Ouais, t'es obligé de l'enclencher. Non. Oh! Dis pas qu'il faut que je sois comme ça pour envoyer l'autre. Allez, à plus, bande de lâches! Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, viens là, là! C'est comme Sidon, lui. Il va jamais là où on veut qu'il aille. Quand t'as besoin de lui, il est à 10 000 km. Et quand t'as pas besoin de lui, il est à côté de toi. Comment ça marche ça? Comment je l'envoie l'autre là-haut là? Ça? Oh! Trop de tremplin, de tremplin, trop de tu le tremplin. Moi j'y crois pas trop. Ça se colle à la verticale.
Hein? Je prends plein de cailloux comme ça et je les empile. Oh, mais t'as vu que les constructions, c'est pas pour moi. Là. Pas mal là. Allez, viens là, mon coco. Viens. Viens. Il me regarde genre non. C'est pas assez haut. Comme ça. Bah, il est pas collé là. Mais pourquoi il est pas monté avec moi dessus? Allez, viens, Jean-Eudes, là. Je commence à m'énerver. J'ai pas fait assez haut. Quand j'ai dit que la construction, j'aimais pas. Encore. Voilà. On est pas mal là. Avec toute la bande là en plus qui me regarde faire. Et j'ai envie de dire. Enfin! Ça en fait 3 sur 5. Ah, oh, c'était dur, hein. C'était. Continuons comme ça, il veut dire continue comme ça. Le nous est un peu trop dans cette phrase. Je pense pas qu'il a été d'une grande aide, hein. Ah, c'est quoi par ici? Non, non, non. Link. Comment je peux le casser, ça? Ce que j'ai fait là, ma jolie pile. J'ai peur, j'ai cru que ça allait tomber dans le vide. J'ai douté de mes capacités pendant un instant. Oui! Let's go! Par contre, comment on va là-bas maintenant?
Comment on y va? Ah, attends, parce que j'ai pas fini d'explorer. Il y avait quoi ici? Ah, il y a un ami là. Voilà! Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Si je regarde la carte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le tour, ça. Ça me sert à rien. Faut que j'arrive à monter là-haut, là. Et pour aller là-haut, il faut... Et il me reste lui à l'autre bout. Ok. Il faut que tu remontes dans la passerelle. Hein? Tu remontes sur la passerelle. Quelle passerelle? Pour aller là-haut, là? Ah ouais? Tu retournes. Y a rien d'autre ici? Ça servait à quoi là les deux wagonnets là en bas? À rien? Hein? Quoi? Tu peux les récupérer plus tard les coffres. Ouais. Et plus tard, ça pour moi ça veut dire jamais hein. On est coincé? Alors comment tu vas ici? Ah! Comme ça? Mon régisseur est au bout de sa vie. Hein. Toujours plus le wagonnet, il m'aime vraiment pas. Mais en plus, j'ai plus rien pour me redonner de la vie. Ah si, ça. Le wagonnet, c'est au point, il m'a enlevé de la vie. Merde, comment j'y vais là-bas, ça a fermé. Donc c'est juste en dessous là normalement. Sauvegardons, on ne sait jamais. T'as vu, je l'ai repéré le coffre. Il va me donner des flèches. Ah non. C'est pas mal. C'est pas mal. Voyons voir. Pas d'ennemis en vue. Il est où? Où es-tu? J'en veux deux. Et de 4! Si c'est passe-partout. 4 sur 5! On y est presque! Il n'en reste plus qu'un! J'y suis presque, je te rappelle. Ce n'est pas un travail d'équipe qu'on faisons là. Ou alors là, c'est un 90-10. Hein. J'aurais aimé surtout avoir des. Regagner ma vie en fait.
Alors, maintenant réfléchissons pour aller au dernier. Qui est là? Oh, je suis retombée ici en fait. Je crois que j'ai un ascenseur quelque part. Il est où l'ascenseur? Eh ben il est parti sur moi. Comment je peux y accéder à celui-là? Redescends. Alors, j'ai pas fait cela là. Ah bah c'est celui-là. Comment ça marche là? Parce que là c'est cassé et lui pour l'activer, faut aller de l'autre côté. Là, c'est beaucoup trop loin pour une flèche. Mais il y a des trucs de fusée là. Testons mon idée de faire une fusée, hein. Moi, je suis toujours sûre que c'est la bonne solution. Allez, testons. Sauvegardons avant de tester. Se sacrifier pour la bonne cause. Accroche-toi au mur. Accroche-toi au mur. Trouver une solution, hein. C'est peut-être pas le bon chemin, mais tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas assez de passerelles là. Ah.
Oh, il y en avait un avec déjà fait. Bon, tant pis. Toi, t'avais fait comme ça? Finalement, chacun sa méthode, quoi. Oh, j'ai cru que ça passait pas, j'ai eu peur. Sûr, faut se battre. Ah, Sidon qui a mis une frappe. Merci Sidon. Alors, nous sommes en haut. Pourquoi ça? Que se passe-t-il ici? Viens là, Jean-Eudes. Quoi? Mais non, tire en face! Pourquoi il tire en bas? C'est pas logique, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Par ici. Un coffre. Des flèches. Toujours un bon caisse. Les flèches. Apparemment, faut faire monter la lave. Faut que je monte encore. Tu rassembles pas les poules. Hein? Tu rassembles pas les poules. Ah, oh! Qu'est-ce qu'il est intelligent. Petit Ted. Parce que c'est trop petit. Il y a un bouton qui traîne. Hein? Où devant? Ils sont attachés. Ceux-là là? Mais ça me change rien à ma vie. Quoi en haut? Un tremplin? Ah! Pour lui? Viens là, Jean-Eudes. Fait là ça. Mais à quoi ça sert ça? Hein? Juste ça la turbine là? Tu veux dire là? C'est sans diviser le plafond? Hein? De plus loin.
très loin alors. Ok. Ça m'a mis une petite... c'est quoi ça? Un cube? Et je fais un quoi? Damn, j'y avais pas pensé. Tu me lâches les solus comme ça. Mec, on a marre. Jean-Eude! Mais t'as tellement galéré dessus que tu me dis elle va trop galérer, je lui donne la soluce direct. Sinon on va y rester 5 heures. Link! On a trouvé tous les cadenas. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Allez-y, on y va. Par contre, faut que je me fasse de la bouffe avant. J'ai plus rien, moi. Parce que... j'ai plus à manger pour battre un boss, là. Est-ce que je peux partir du donjon pour me faire à manger? Au village Goron. C'est où le village Goron? Bon, on va juste aller se faire manger, puis on va faire le boss, hein. T'es impatient. Oh là là. Wesh. Je sais même pas si j'ai assez pour faire à manger. Parce que j'ai déjà fait à manger avant le donjon en fait avec tout ce que j'avais. Non mais j'ai plus rien en fait. Je vais voir si je peux... Mais j'ai que... Est-ce qu'elle peut m'acheter des trucs? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que j'ai 10 topaz brut? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Vous voulez des topazes brutes? J'en ai même pas. Qu'est-ce que je peux vendre? Alors ça. Fais-toi manger. Hein? Fais-toi manger. Bah ouais, il faut que je prenne à manger, mais faut que je me fasse de l'argent. Pourquoi faire? Bah pour m'acheter à manger, j'ai rien pour faire à manger. Regarde, j'ai plus rien. J'ai même pas un champignon.
Comment je peux me faire à manger sinon? Lui, il vendait de la canne à sucre. Sinon, tu vas récolter des trucs sur la pelleterie. Hein? Sinon, tu vas récolter des trucs sur la pelleterie. Où ça? Des champignons et tout, je vais récupérer. Je peux même pas m'acheter ça. Et ça, je peux en récupérer où? Vers les oiseaux, non? Peut-être là. C'est ça, va chercher Damzella. On y croit tous. J'aimerais bien battre le boss ce soir. Oh là, t'as pas l'air optimiste. Ici, y a quoi? Une grenouille, une grenouille. Un coffre là. Okay. Ça m'a donné envie de jouer à Animal Crossing. Mais c'est que si je vais lancer Animal Crossing, je vais y jouer 5 minutes et je vais arrêter. C'est la musique. Par ici. Peut-être faut plus que j'aille dans la forêt, non? La forêt du début là. Peut-être plus de chance ici. Là, dans la petite forêt, là. Pas les musiques. Ça m'en fait les musiques de Animal Crossing la nuit. J'espère que ça va poser une Switch sur un Animal Crossing. Voilà, on a trouvé des arbres, genre il va y avoir zéro truc dedans. Oh, il y a des chevaux. C'est qui lui? Tu crois que je peux le battre?
En plus, je suis nulle. Comment je le tape? Comment je le tape? Arrête de bouger. Non! Je suis nulle pour tirer aux flèches. Non, Link, laisse cet arbre. Gâcher toutes mes flèches sur lui. Oh, merci. Comment il s'appelle le piaf déjà? Ah, mais attends. Why are you running? C'est ce qu'il me dit le monstre. Why are you running? Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Ah! Il s'arrête jamais. Mais Babybel, frappe-le dans l'œil. Oui. J'ai envie de clamser quoi. Mais c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Ah, oh là 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 là. J'ai plus d'arc. Mais pourquoi tu me prends pas l'arc? Oh. Je viens de me tirer une balle, hein, franchement. Merde, pourquoi je le tape? Non, en plus il se protège son œil. Je suis nul, je suis nul. En fait, je panique, donc je sais plus quelle touche il faut faire. Tape l'œil, tape l'œil. Mais non, je t'en supplie, tape cette maudite, ce maudit œil. C'est une victoire amère. Merci beaucoup d'avoir cru en moi. Ma régie est dépitée. Es-tu dépitée? Oui. T'as qu'une envie, c'est de me prendre la manette. Ah non, mais même moi, je suis dépitée. Hein. Mais tu sais, ce que je voulais faire, c'était sauter et déclencher le ralenti en arc. Mais j'y arrivais pas. Merci, on me dit GG dans le chat. Merci beaucoup. Ah là 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 là. Même moi, j'y croyais plus. Hein. Et à la base, je venais chercher des pommes. Hein. J'ai vu des pommes pendant le combat. Ah là. Alors attends, maintenant, essayons de monter à l'arbre. Monte dedans. Peut-être plus facile comme ça, hein. Voilà. Moi qui voulais pas couper l'arbre, finalement, ça sera plus facile. Hein. T'es trop basse pour déclencher le ralenti. Il aurait fallu
Faire appel à l'oiseau pour faire un appel d'air. Ah! Oh, j'ai une pomme d'or! Attends, je vais essayer de faire un... Babybel! Bon, on n'y croit pas trop. Un beau cheval. Pas un peu de champignon, y a rien quoi. Gros fail plutôt. Libellule piment contient des facilitants à la transpiration. Tu streams Zelda ou d'autres jeux? Non, je stream de tout. Je stream de tout. C'est juste que là, je suis sur Zelda en ce moment. Mais j'ai fini plein de jeux. Tu peux voir tous les jeux que j'ai fait sur, soit sur Twitch, dans mes rediffusions, ou sur YouTube. J'ai tout en playlist. Mais je fais vraiment tout. Tout type de jeu. C'est quoi ça? Babybel, viens là. Oh là 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 là, mais je suis fail sur fail. J'ai fait quoi comme jeu sur la chaîne Babybel? Donne-moi ça. C'est où? C'est où? C'est où? C'est censé faire quoi? Je vais aller voir ça. Mais j'ai fait The Witcher 3, j'ai fait Rayman Origins, Rayman Legends, j'ai fait Ori The Blind Forest, Ori The Will of the Wisp. J'ai fait... Ah, il y a un champignon là. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait tellement de jeux. J'ai fait Alice au Pays de la Folie. J'ai fait un petit jeu indé, je sais plus comment il s'appelle. Je suis bloquée dans les deux que t'as dit, c'est-à-dire... après j'ai commencé d'autres jeux, j'ai fait Assassin's Creed 1 que j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu? Je m'en rappelle même plus. Bon, on peut aller... Non, non, Link, please. Stop. Stop that, Link. Mais il joue tout seul! Il joue tout seul! YouTube. Hop, Halloween. Ding. Playlist. Je sais pas si on voit, là. Alors, j'ai... Disney Dreamlight Valley, Hogwarts Legacy, il faut que je vais... Après, dès que j'ai fini Zelda, je refais du Hogwarts Legacy. J'ai fait un peu de Pokémon, donc là, en fini, j'ai Rayman Legends, j'ai fait un peu de Genshin Impact, Outrider, A Story About My Hong Kong, je l'ai fini, Little Nightmare, j'ai fini, j'ai Spyro qui est en cours, j'ai Animal Crossing, j'ai fait pas mal de streams, j'ai fait Assassin's Creed, c'est en cours, Portal... Je l'ai fini. Fée, j'ai fini. Ori the White of the Wisp, fini. Rayman Origins, fini. The Witcher 3, fini. Alice, Retour au Pays de la Folie, fini. Oh, Starcraft 2, j'avais complètement oublié ça. Je l'ai fini. J'ai fait un test de Metro Exodus. J'ai dû faire un peu de ton Star Together. J'ai fait du Apex Legends. Diablo 3, j'ai fait un peu de LOL. Destiny 2, j'avais commencé Rayman, j'avais commencé Monster Hunter World, j'ai fini Ori the Blind Forest, j'ai fini le Tomb Raider, j'ai fini Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation, et j'ai fait beaucoup de WoW aussi. Voilà. J'ai fait pas mal de choses. Dans le 2 Ori, j'arrive plus à lancer, pourtant ça a l'air tellement sympa. Un Ori, ça fait partie de mes jeux préférés, Ori, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai fait le 2 à 100%. Attends, j'avais ma flèche. Mais j'ai adoré Ori. Parmi tous ceux que j'ai fait, je pense que ça va être Ori. Hein. Ori 1 et 2. Et j'avoue que cette année, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est Hogwarts Legacy. Je l'ai fait de mon côté toute seule. Est-ce que j'ai assez pour faire de la cuisine? Mais je vais essayer de le faire à 100% en stream. Hogwarts Legacy, j'ai adoré ce jeu.
Il faut que je trouve où je peux trouver des victuailles. Il faut que je trouve un endroit. Tu connais toi un endroit où il y a pas mal de choses à récolter? Peut-être là-dedans, là. Ah, je vais aller là. Parce que là, je cherche des choses à manger pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir faire le boss de feu. Regarde les gars, j'ai jamais joué, j'ai eu plusieurs streams dessus, mais pas plus. Bon, il faut être très fan de la licence Harry Potter, ce qui est mon cas. Je suis très très fan de la licence Harry Potter, donc c'est pour ça que j'ai adoré. Mais ouais, j'ai fait pas mal, mais là, il faut que je continue. Comme j'ai encore une grande liste à faire hein, de jeux. Donc, je continue. Je m'attarde pas trop sur les jeux. Là, par exemple, Zelda, là, ce Zelda, je suis pas très fan de cet opus. Je préfère The Wild. Donc cet opus, là, celui-là, je vais juste faire la quête principale et après m'en aller vers d'autres jeux. Parce que bon, j'ai une liste à rallonge qui s'allonge chaque année. Et ça avance pas. Ah, je peux peut-être prendre des poissons, là. Les poissons, c'est pas mal, tiens. Si j'en trouve. Oh non, je vais pas tuer l'oiseau, quand même. Comment j'allume une flèche? Plutôt jeu solo, du coup. En stream, plutôt, ouais. Mais en jeu multi, on a quoi? Ben non, j'ai beaucoup fait du World of Warcraft. Il y a zéro poisson, mais je tombe que sur les mauvais spots, en fait. C'est même pas une forêt, ici. Peut-être au village pire. Je vais pas tous les faire, quand même. Mais, après, j'ai déjà... en jeu multi, on a quoi? LOL. Ah, mais moi, si je me mets à streamer du LOL, ça va devenir la catastrophe, quoi. En plus, je suis pas très forte. Hein. Je suis nulle. Il y a beaucoup de trucs dans TOTK, on ne sait plus donner de la tête. Bah, j'aime pas du tout le système de construction dans TOTK. J'aime pas du tout, du tout. Je préfère Breath of the Wild. C'est plus simple. J'aime bien quand c'est straight to the point. Quand t'as pas à réfléchir et t'as juste à avancer. Je peux monter, là? Ah non, peut-être dans le petit trou, là. Ouais, ouais. Non, mais franchement, j'aime pas du tout les constructions. Pas une boutique, ici, de trucs à manger? Mais il y a une boutique et de trucs à manger chez les poissons, là. Non? Attends, déjà, je vais cuisiner, tiens. Qu'est-ce que je peux cuisiner? Non. X. À part des pommes et des champignons, pas grand chose, hein. Je sais pas si c'est mieux de faire... Je voulais pas la manger, je me trompe de touche à chaque fois. Je me fais des petits plats et des grands plats. Je pense qu'on est pas mal en nourriture. Je pense qu'on peut aller faire le boss. Peut-être faudrait que je dorme, il y a une auberge. Fais un plus. Ça suffit pas. 5.
Non. Me connaissant, ça suffit pas. Mais le truc, c'est qu'il faut que je trouve les ingrédients. Ils sont où les vendeurs? Les trucs d'eau là que tu pourrais utiliser. Quel truc d'eau, tu penses? Ça? Je peux en faire à manger? Je pense oui. Je vais essayer alors. C'est un truc que j'ai jamais fait dans TOTK, cuisiner. Ah ouais, non, mais moi je suis tellement nulle que bon. Il me faut ça quoi. Non! J'ai déjà galéré 4 streams sur le boss de l'eau. Il va me donner quoi de l'eau? D'eau pétillante? Il en faut beaucoup là. Hein? Je galère avec les touches, hein, c'est fou. Mais ça en donne que pas beaucoup, hein. Mais tu peux mélanger les ingrédients. Et avec quoi? Des grenouilles. Une grenouille? C'est pas pour les... Mais non, les grenouilles, c'est pour les potions, non? C'est tellement simple pourtant. Il s'agit toujours de la même manière, après je dis pas le nombre de fois où je suis morte, ouais, mais oui. Peut-être avec ça. T'as du sel, tu peux rajouter. Hein? T'as du sel, tu peux rajouter. J'ai du sel? Comme ça? Mais pas beaucoup. Comme ça? Perdu, attends, je me perds dans mes touches. Qu'est-ce que ça va être pour le boss? Et là, t'en penses quoi? Encore deux plats? Mais j'ai plus grand chose là. Hein. Je fais que des chutneys de fruits. Bon, bah, de toute façon, j'ai plus de place dans mes plats. Je vais juste aller dans une auberge récupérer tous mes cœurs et c'est parti, hein. Tiens, elle est là-bas, l'auberge. Pourquoi tu vas pas au surchaud chaude chez les gourmands? Hein? Au surchaud chaude chez les gourmands. C'est où, ça? C'est où, les sources chaudes? Partout. Là où il y a de l'eau. J'aurais dû mettre ma lumière là-bas parce que je suis vachement jaune à cause de mon écran. C'est où les choses? Link, t'es de retour. Yes, I'm back, bitches. Là-dedans, là, dans l'eau, là, là? Ici? Si je vais là-dedans? C'est bon à savoir ça, hein. Ou prendre des cœurs sans payer. C'est bon à savoir. Est-ce que juste je mettrai pas une amalgame sur lui? Comme ça je suis sûre. Merci beaucoup pour le follow. Merci et bienvenue sur le stream.
Est-ce que je mettrais pas une amalgame sur celui-là? On ne sait jamais. Genre un truc du style. Ça sert à... Non! En plus, on est en pente. Voilà! Comme ça, on est radis. Bon. Sauvegardons et c'est parti pour le boss. Hein. Hello! Sylmélis, si ça se prononce comme ça. Bienvenue sur le stream, merci pour le follow. Tu arrives pile poil pour le boss du feu. Qui est. Alors. Il faut que je retourne dans le donjon. Et prépare. Voilà, catastrophe. Hâte de voir. Ouais. Êtes-vous prêt à rigoler? Ça rigole déjà ici. Ça rigole déjà. Comment on rentre? J'appréhende un peu, j'avoue. Ça va être catastrophique. La porte s'est ouverte. Vite, il faut qu'on brise ces roches. Ah. Qui va me tomber dessus là? On y croit, on y croit. Pas de boss qui se déclenche. Hein? Comment tu fais ça? Ah, ok. Le pire temple, c'est le désert. On peut plus, j'y suis mort au moins 8 fois. C'est le prochain, le désert, c'est le prochain. C'est le dernier qui reste, le désert. Ouais, c'est quoi? C'est une araignée? C'est un crabe? C'est crabby-crabou? J'ai mon serre-tête crabe. J'aurais dû le mettre pour l'occasion. Dis-moi qu'il s'appelle Crabus. Mi-araignée, mi-crabe quand même. Hein. Litogoma? Litogoma? Oh, ça veut dire qu'il faut que j'utilise Jean Eudes là pour casser ses pattes. T'as vu, hein? J'ai vite pigé, hein. Ah, il faut que je monte dessus. Monte! Ok, j'ai le pattern de la paix. J'ai le pattern de la paix. Trop de cœur, ça. Jangus! Jangus! What? J'ai failli me faire one shot. Pourquoi il a une voiture? Non, c'est parce que j'ai vu, j'ai mis les voix en japonais.
J'ai mis les voix japonaises. J'aurais pu le taper en fait. Je suis parti pour rien. Ah, j'ai raté, non? Ah non, non, j'ai tapé, j'ai mis tapé. What? En fait, quand il se jette au sol. Allez, allez, on monte. Ok, P2. J'ai déjà mangé la moitié de ma bouffe en P1. Oh non, c'est l'arc. Je pense qu'il faut le lancer, lui. Quoi? Fuyons. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai plus d'armes. Prendre la 26. Mais il est où Jean-Eude? Il est où? Oh, je suis nulle à la flèche. Hein? Ah, c'est en le lançant lui? Ok. Jean-Eude! Non! J'aurais pu faire du premier coup! Démarre-le, tu peux te téléporter à travers lui? C'est-à-dire? Je peux me TP? Bon. Pour un premier try, c'est pas mal. Pour un premier try. Est-ce que moi je redép... Ouais, c'est bon, je repars avec ma bouffe, quoi. Parfait. Est-ce que je prendrais pas ma 26 dès le début? Tu peux passer... Ah, ok. Mais comment ça se fait qu'il se jette au sol comme ça? C'est quoi ce pattern? Oh, et en plus je le rate. Allez, on court. Ah, il me tèche de lui et je perds de la vie. Faut que je parte avant. Comment ça l'a pas tué? Ça a pas fait ça. Ah ouais. Faut rester au loin là, quand il est comme ça. Quoi?
J'ai une 31 là. Il m'a one shot ou c'est la P2 qui est passée? Et viens là, Jean-Hude. Oh là là, j'étais pas loin des explosions là. What? Il m'est tombé dessus? Je comprends plus rien. Moi j'ai pas le temps de courir, regarder en haut, regarder à droite, à gauche quoi. Allez Link. Mais saute! Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait ce Link quoi? Jean-Eude, mais pourquoi t'es à 36 000 km, Jean-Eude? Reviens! Oh là, non. Pourquoi Jean-Eude, il me le fait plus descendre, là? Oh, mais je le rate, en fait. Jean-Eude! Non! L'autre! Au bout de ma vie, je ne sais plus quoi faire, je panique! Comment ça, il veut pas descendre là? Oh, et vas-y, en plus, il y a une seule entrée dans toute l'arène, il faut que je l'envoie dedans. Je suis passé. Attends, on m'a dit un pouvoir que je peux utiliser, un pouvoir. Et ça touche là. Jean-Eude. Non. Non, je vais mourir. Ah, j'en peux plus, je comprends plus rien. Jean-Eude, reviens! Où es-tu? Non, pas Rafale, l'autre! En fait, c'est toutes les fois où j'ai tiré sur lui, j'ai tiré au pif et ça a bien marché en fait. Allez, Jean-Eude! Oh, heureusement que j'ai pris le boubou de Sidon. Il a pris 3 ans à se relever. Il a pris 300 à se relever, la bombe m'a éclaté dessus. Ça bug pour toi le live? Non? Non, ça bug pas de notre côté, n'hésite pas à refresh. Tu peux viser l'œil avec tes flèches, ouais. Oh là 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 là. On va y arriver, hein, jamais 203. Et pourquoi tu m'as annulé ton pouvoir? Je comprends plus rien. Des fois, je comprends rien à ce jeu. Mais t'es où? Jean-Eude! Putain, ça, franchement, j'ai envie de le claquer. Non, et en plus, je me rapproche d'une bombe. Non. Allez, allez.
J'ai l'impression que là c'est compliqué là. Oh là 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 là. Oh, il la esquive en plus. Allez, Jean-Eude là. Mais pourquoi j'arrive pas à prendre son... J'ai envie de le claquer, ce mec. Mais surtout, suis pas! Suis! Suis, Jean-Eude! Quand t'as pas besoin d'eux, ils sont à côté de toi, ils te collent, mais quand t'as besoin d'eux, ils sont à l'opposé, quoi. Allez, passe en P2, là. Jean-Eude. Oh, j'ai touché. J'ai touché son œil. Viens là, Jean-Eude. En fait, les fois où je l'ai lancé aléatoirement et que je l'ai touché, c'était de la chance en fait. Jean-Eude! Nous n'insulterons pas Jean-Eude. Mais comment ça se fait que je le touche jamais, lui? On m'a dit infiltration. Jean-Eude! Non, Jean-Eude! Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ça marche pas l'infiltration. Trop loin. Non, allez, toujours plus, hein. Allez. Faut que je le rate là, putain, il est où? Je l'ai perdu! Allez, c'est tombé. Allez, j'ai caché un truc! Allez, mais pourquoi il descend jamais? J'y arrive pas.
plus, j'ai mon œil qui me gêne. Je n'arrive pas à le faire descendre. Allez, descends là. Je l'ai encore raté. Oh, ça m'énerve. Pourquoi me donner 36 000 flèches, quoi, si c'est impossible de le taper? Oh! Allez, sors d'ici! Ah, oh, je crois que je l'avais touché, quoi. Mais j'arrive pas, quoi. Mais ce combat va durer une demi-heure, quoi. C'est quoi, ça? C'est... Dis-moi que je l'ai touché là! Allez, allez, allez! J'y suis presque. Par contre, il faut que je change d'arme, elle va casser. Je vais prendre ma 26. Ma régie est au bout de sa vie à côté de moi. Elle a juste envie d'une chose, c'est d'aller mourir en paix dans le lit. Oui! Et j'ai plus de... j'ai plus d'endurance! Yes. Allez! Oui! Nous l'avons battu! Enfin! En une session! Allez, ça fait en combien de try? 4 try, 4, 5 try! GG! Enfin! Bon, on va dire que quand même ce combat il a duré un peu de temps. Il a bien duré au moins 10-15 minutes. Let's go, merci! Nous y est! Nous y est! Et maintenant, le boss du sable. J'ai pris moins de temps que le boss de l'eau. Après le boss de l'eau, j'avais pas le tips. Grâce à ma régie et à vous dans le chat, j'ai réussi. Merci beaucoup. C'est beau. Ça donne envie de pleurer, limite. Le boss du sable. Le boss du sable, là, je vais pleurer du sang, je crois. Et après, il y a Ganon, hein. Allez, donne-moi ce cœur bien mérité. Réceptacle de cœur. Bon, il va encore nous parler des autres prodiges, tout ce qu'on sait. De toute façon, ça se répète pour les 4 fois, donc... le fait que son ancêtre lui ait lui confie... le pouvoir. On n'est plus étonné maintenant. Je l'ai même pas fait Ganon dans Teoteka, oh là là. Déjà que j'ai galéré dans Breath of the Wild Ganon, alors là... Oula, c'est ma manette qui vibre sur la table. Avouez que c'est plus stylé en japonais. ハイラル王に仕えたゴロン族の戦士にして炎を司る賢者であり。さあ、
俺は民を堕落せしむ岩石の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がお主の手に渡るのを防ぐことだった。魔王と奇跡。そう、お主は初めて聞くだ。だからこそ話させてほしい。 On nous l'a déjà raconté deux fois. Puis après, on va l'écouter une quatrième fois. ガノンドルフ。それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として奇跡を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、炎の賢者として奇跡を携え 戦い。戦い。ジャコニュル戦い。奴は兄弟であった。我が渾身の一撃をやすやすと弾く強靭さ。ささいよ戦え。バテブをあべくルカー。魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたの。 それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゴロン族の定めを決定づけた。 封印はいずれ解け、魔王は復活してしまいます。だから彼にはそれに対抗する力が必要となるのです。炎を司るゴロン族の力、どうか剣士リンクに貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だ。 討伐は我らの本願。我がゴロン一族は魔王復活の時、再び炎の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓う。これが封印戦争の全貌と我が一族の定め。 お主らの活躍でゴロンシティは救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ユンよ、どうかこの秘石を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。 Sashimunidana Mugiwara. Link to Tomoni Tatakau no ga boku no sadame goro. Boku ni sore o tsuide hoshii tte. Hontou ni. Boku wa gosenzo sama tachi mitai ni rippa janai kedo. Demo koko de mayotte cha minna ni hazukashii goro. いつまでも甘えた僕じゃない。やってみせるゴロ。僕は炎の賢者。見て、これが賢者の力ゴロ。
Wow. Il y a 4 sages, mais il y a 6 sceaux. C'est le gant de Thanos. Il veut les pierres d'infini. Ça m'a donné envie d'y rejouer. Ah ouais, bonne chance avec Ganon. Et les constructions. Ah là, ça vous roche, elle disparaît. Oh. Oh. J'espère que j'aurai une discount au magasin. Hein. Franchement, tu nous auras causé du mouron. T'es vraiment... Rendez pas Monsieur Yun, s'il vous plaît. C'est pas grave, Tokash. C'est vrai que j'ai causé du souci à tout le monde. Si seulement j'avais été plus prudent. On vous a fait confiance quand vous avez dit que vous allez rendre toute sa gloire au village Goron. Quand vous avez fondé Yun Enshi, vous étiez le héros du village Goron et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Mais si. Link, je te dois une fière chandelle. Grâce à toi, la savroche a disparu et le visage Goron a retrouvé le sourire. Mais si tu n'avais pas détruit ce masque, rien d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Elle n'est pas fâchée, Dame Zelda, que le masque soit caché? En fin de compte, on n'a pas réussi à lui parler. Il s'est passé un tas de trucs bizarres. Maintenant que j'y repense, j'ai l'impression que Dame Zelda est rentrée elle-même dans le monstre de roche. Et après la bataille, elle avait complètement disparu. Dites, Monsieur Yun, ça ne serait pas possible qu'en fait, cette Dame Zelda, ça soit une méchante? Comment ça? La Dame Zelda que vous et Link avez suivi, je crois en fait que c'était le monstre de roche qui s'est transformé. Hein? Il est intelligent, le petit haut, hein. Mettez-le à l'école, lui. Maintenant que j'y pense, la personne que mon vénérable ancêtre appelait le sage du temps, elle lui a demandé d'aider le chevalier Link, et d'après son apparence, c'était Dame Zelda, ça ne fait aucun doute. Je ne sais pas pourquoi elle est dans un passé si lointain. Mais ce qui est sûr, c'est que la Dame Zelda qu'on a vue ici, c'était une fausse. Commettre tous ces méfaits en usurpant le nom de Dame Zelda, c'est impardonnable. Il faut vite que je retrouve cette usurpatrice pour lui donner une bonne correction. Il veut dire que je la retrouve et que lui, il se ramène à la fin quand tout est fini. Hein.
Avec l'aide de Yunensi, je vais retrouver chaque pierre autour du village, retourner chaque pierre autour du village pour retrouver la trace de Dabzeldar. Même éloigné, maintenant toi et moi on est liés. Compte sur moi. Ton enthousiasme fait plaisir. Attends, il faut le faire avec le truc, la voix de vieux. Ton enthousiasme fait plaisir à voir. Mais va pas encore nous déterrer des trucs bizarres. Hein. Combien sur 10 ma voix de vieux? Vieux sur 10. Village Golon, fini. Ah, il donne une quête, lui. Je suis souvenu de quelque chose à propos d'Adam Zelda qui me manipulait. Quand on allait extraire de la roche sur le flanc nord de la montagne de la mort, ça donne pas envie d'y aller. Elle m'avait dit de ne pas m'approcher des étangs aux lézards car elle n'a pas dit pourquoi. Ça alors, et que toi, on dirait pas grand-père Simpson. Que toi tu parles des étangs aux lézards, je me serais jamais attendu à ça. Ça manque de bégaiement. Oh les abeilles aussi, les frères lézards. Le grand frère protège le trésor, le petit... Oh, ça fait... Le vieux dans Fort Boyard, là. Comment il s'appelle? C'est que les énigmes. Perfouras. Le petit veut voler, veut le voler. Les frères lézards se regardent autour du trésor. Qui suis-je? Mon premier... Une chanson chantée au gabin. Quand j'étais un petit goron, je me demandais s'il existait vraiment ce trésor. Je l'ai cherché longtemps. Et puis soudain, la montagne de la mort est entrée en éruption. En un rien de temps, il y avait de la lave partout. Puis j'ai complètement oublié la chanson et cette histoire de trésor. Mais ça me donne envie de me remettre à la recherche. Ouais, bref. Oh, aïe, aïe, mon dos, ça me reprend. Ça, je pourrais le dire aujourd'hui, hein. Ça, je le dis tous les jours. Ah, mon dos. C'est un avant-goût. Hein? C'est un avant-goût. Ouais. Non, mais j'ai tout le temps mal au dos, donc... Voyons voir, alors, on l'étend au lézard. Donc il nous reste le désert chez les femmes. Comment ça s'appelle les femmes? Gerudo. Les Gerudo. Ça c'est aller enquêter le château, mais on peut pas. Bon, on peut, mais bon, vu mon niveau, ça serait vite fini. Il me reste 8 géoglyphes à trouver. Et à trouver Dame Zelda. Finalement, il y en a 3 qui se regroupent, plus ça, quoi. Et j'ai pas beaucoup exploré. Regarde mon exploration des profondeurs. Voilà. Et l'exploration du haut. Voilà, voilà. Bienvenue au club et de vieux sans quand on est jeune. Hein. Moi je me couche, il est 22h, j'ai mal au dos quoi. Et j'ai tout le temps mal à la tête. Moi demain je suis déjà à l'hospice. Hein. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Notre objectif a été fait, c'était de battre le boss de l'eau. De l'eau. Du feu. La fatigue se fait sentir. Alors que je viens de sauvegarder à l'instant. La prochaine fois, donc, on ira chez les Gerudo. Et on va faire notre maximum pour faire le donjon. Je pense que ça va bien nous prendre moins 2-3 streams, là, de trouver le donjon, de le faire, de battre le boss, qui est apparemment dur, donc on... une bonne heure pour faire le boss. Puis après, on aura Ganon. Est-ce que d'ici fin 2024, on aura fini Zelda Tears of the Kingdom? Bonne question. On espère, on croise les doigts. À quand le prochain live? On est quel jour? On est mercredi.
quand je peux live. Soit on a quoi de prévu vendredi? Ben, pas vendredi. Peut-être demain soir à la même heure, c'est-à-dire 20h, 22h. Et samedi sûrement, et samedi en début d'après-midi, je pense. Ouais, samedi en début d'après-midi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je mets toujours une story quand je pars en live sur Instagram. Et je poste des reels donc sur Instagram, sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok et sur mon YouTube Short, tout au nom de Halloween. Vous retrouvez les VOD donc sur ce Twitch et sur la chaîne YouTube. Et je suis en live en même temps, donc actuellement comme maintenant. Donc je suis en live sur Twitch, Kick, YouTube et TikTok simultanément. Par contre sur TikTok, je peux pas vous lire parce que le chat est illisible, donc n'hésitez pas à venir sur les autres streams et je vous verrai. Donc voilà. Tu m'as découvert grâce à ton TikTok. Ah bah super! C'était le but. J'ai commencé il n'y a pas longtemps TikTok. Bah, j'ai commencé la semaine dernière à commencer mettre des petits reels pour essayer d'augmenter un peu ma communauté. Bah, je suis contente que ça a fonctionné, que tu es venue par ce biais-là. Bah, merci beaucoup. Donc normalement, soit demain soir, 20h. Soit samedi en début d'après-midi, donc peut-être vers 13h, je pense, quelque chose comme ça. Après manger, quoi. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, sur Twitch et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ce qui me permet d'entretenir ce site et ce stream et de continuer. Et bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. Je suis tellement habituée à dire ça. À la prochaine, normalement.